bien, bien le bonjour, mes chers amis. Il est mardi et il est pile poil 7h. Et oui, on est motivé ce matin. Nous avons très très bien dormi. Merci, Neil. Merci de ne pas avoir chouiné toute la nuit. Il s'est juste réveillé à 23h. Bon, ça tombait dans les bronches et j'aime pas ça. Et oui, il a juste pleuré à 23h. J'y ai donné du Delodan pour ses dents. Et je fais que de le réveiller. Donc je suis contente. Mais à 23h par contre j'en mets déjà. 22h10, j'ai éteint ma télé. J'ai même pas regardé tout mon reportage que je regardais. C'est pas grave, il y a le replay qui existe. Ici nous avons un petit jeune homme qui est tout sage. Bonjour. Oula 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 oula, j'ai entendu un bruit de bol. On renverse pas le bol, ça serait gentil. Donc Kelly est partie s'habiller. Elle ne veut pas déjeuner ce matin parce qu'il n'y a rien à déjeuner. Il n'y a rien à déjeuner dans mes placards. Ça me fait rire. Donc elle va pas partir avec le ventre vide. Là-bas aussi, c'est malade. Donc je vais leur mettre du baume après. Et puis voilà. Bon, mon téléphone, je vais l'exploser, je le sens. Il est censé sonner à 6h15 le matin. Il a sonné à 6h30. Heureusement, j'étais déjà réveillée. Oui, parce que ça fait déjà 45 minutes que je suis levée. Et oui, mes chers amis. C'est pas beau d'être maman, je vous le dis. Non, je blague. Bon, dehors, ça commence à se lever, hein. Donc, c'est cool. Bon, là, je vais aller déjeuner mon petit chocolat chaud et mes petits princes. Et puis préparer toute cette petite fratrie. Et puis en rentrant, j'ai un petit peu de ménage. J'ai vraiment pas grand chose. Par contre, un gros coup d'aspirateur à donner. Parce que Kevin a posé la marquise que je vous ferai voir tout à l'heure. Pardon. Et avec l'enduit en fait. Oui, c'est ça, c'est de l'enduit dehors. Et le béton qu'il a percé, en fait, il m'a fait beaucoup de poussière blanche et tout. Et mon carrelage dans le couloir est devenu tout blanc. Alors qu'à la base, il est gris anthracite. Donc, voilà quoi. Hein, bon, je vous laisse là. Je vais déjeuner, préparer mes enfants. Et je vous reprendrai tout à l'heure. Bon, recoucou les amis. Il est 9h51. Je suis entrée, il était 9h20. J'ai couché monsieur Ninil puisqu'il est grognon. Donc le matin, je rentre de l'école un petit peu de dos. Et là, je viens de passer 10 minutes avec Orange pour changer mon téléphone et le téléphone de Kevin. Parce que Kevin a un problème de réseau. Donc lui, on y avait changé sa SIM et ça a continué. Donc j'ai fait changer son téléphone comme s'il était à mon nom. C'est moi la big boss. Du coup, j'ai changé son téléphone directement. Il est en garantie. Donc, à savoir que chez Orange, les téléphones sont garantis 2 ans. Et que si vous avez un problème, vous appelez le 3900. Et vous pouvez changer votre téléphone gratuitement en point relais. S'il n'est pas oxydé, s'il n'est pas abîmé. Sinon, il y a une petite caution de 125,80€. Si je ne me trompe pas à donner. Moi il est en parfait état, il n'est pas cassé, il n'est pas oxydé parce que déjà il vient pas avec moi dans la salle de bain. Donc voilà. Donc là bon bah la dame a eu l'aimabilité de me changer mon téléphone. Et comme j'y ai dit, j'espère que je vais pas vous rappeler. Parce que c'est quand même déjà la deuxième fois que je suis obligée de changer mon téléphone pour le même problème du pavé. Donc moi mon pavé c'est un... Je vais laisser un message. On va faire comme ça. En fait, c'est mon pavé de téléphone. Et les touches sur le bord, en fait. Donc le P, le M, effacer, entrer ou les autres là. Je n'y ai plus accès. Je ne peux plus appuyer. Donc clairement, quand je veux faire le Q, c'est le S. Donc enfin, c'est la grosse merde. Pour appuyer sur le bouton retour, c'est pas possible. Et là, normalement... Quand je fais ça, mon écran en fait il se baisse. Et là il le fait plus. Donc du coup ça fait que j'ai des notifications et tout. Mais je peux plus rien faire. Et ce matin mon réveil a sonné à 6h30 au lieu de 6h15. Or qu'il est bien réglé.
Donc là, je crois que voilà. Et de toute façon, la dame, elle l'a dit, les Xperia Sony, ils ont un mauvais retour en ce moment. Donc bon, et Kevin, lui, c'est un problème réseau qui persiste. Donc là, j'y change son téléphone. Et si ça continue, il faut que je demande un diagnostic de la ligne. Enfin, des lignes, puisque moi j'ai le même problème. Mais nous, on pense que ça vient plus de mon téléphone. Puisque ça arrivait subitement depuis vendredi. Et vendredi, c'est depuis que mon téléphone déconne. Donc, bon, on verra, hein. Bon, là, j'ai beaucoup, 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 mais beaucoup de ménage à faire. Là, comment vous dire? Ma maison, c'est un mélange de bordel, trois enfants, du bordel. Voilà. Là, j'ai le canapé, il est retourné. J'ai Mathis, il m'a laissé son pyjama sur le canapé. J'ai des jouets à Nil sous le canapé parce que j'en vois, donc il va falloir que je bouge mon canapé. Mais ça, c'est hier quand j'ai sorti les jouets pour la petite. J'ai la cuisine, elle est en bordel aussi. Au secours! Et j'ai ma chambre à faire. C'est le bordel. Et j'ai très mal à mon genou ce matin, je ne sais pas pourquoi. Ouh, je suis floue. Enfin, bon. On va faire ça tranquillement et j'ai la petite après qui va arriver. La petite chouquette. Faut que je pense à m'attacher les cheveux. Parce qu'elle n'aime pas mes cheveux. Elle n'aime pas ma blondeur. Donc ouais, il faut que je fasse à manger pour ce soir, comme ça je serai tranquille. J'ai pas envie de me prendre la tête. En plus, il faut que je coupe mes filets de poulet, mes oignons. Donc je pense que je vais faire tout ça tranquillement tantôt. Et après, on va aller chercher les enfants. Et qu'est-ce que j'ai à faire? Bah puis c'est tout, baby. Petite journée. Enfin ouais, du coup ouais, c'est quand même une petite journée, mais j'ai pas mal de choses à faire. Et puis et après il y aura les douches, les devoirs à faire. Parce qu'on fait plus les devoirs le mercredi ou le week-end. On enquille comme ça qu'on est tranquille. Et Kili et Mathis reprendront l'école que vendredi. Parce que Kylie a rendez-vous chez l'orthodontiste jeudi. Et j'ai marqué un mot comme quoi elle n'allait pas à l'école de la journée. Mathis, pareil, mais j'étais pas censée être bloquée à la maison. Enfin bon, du coup, il restera avec maman. C'est pas grave. Et puis voilà. Bon, allez les amis, faut se motiver, faut aller faire le ménage. Et oui. Et j'ai un grand grand coup d'aspirateur à donner puisque Kevin m'a mis de la poussière partout à l'entrée. J'aime pas quand il fait des travaux. Donc voilà, bon allez, je vous dis à tout à l'heure les amis. Bon, coucou les amis, là il est 11h05. Et je suis en train de faire un manger. Pour moi ce midi, pour Neil et pour Kevin, et je pense qu'il va en rester pour ce soir. Du coup, je fais du filet de poulet, champignons, crème et oignons avec du riz. Je devais faire ça hier soir, mais du coup, comme j'ai perdu 45 minutes à Orange, bah, j'ai pas eu le temps. Je vais faire ça tranquillement. Et puis s'il y en a encore pour ce soir, et bah mon repas de ce soir sera déjà fait, hein, on va pas se plaindre. Et voilà, bon là j'ai passé mon aspirateur partout. J'ai tapé mon tapis, puisque mon tapis était plus noir, ni gris, mais il était blanc. Logique, hein, puisque Kevin a fait le trou hier, les quatre. Mais ça a fait de la poussière quand j'ai les yeux qui sont en train de pleurer. J'ai fait de l'oignon et ça pique, hein, clairement. Bon, j'ai eu mon chéri vite fait au téléphone, il va bien. Hop, il est
Il était en train de bosser quand j'ai appelé. Donc je ne l'ai pas dérangé bien longtemps. J'ai monté mon vlog. Il est en train d'être envoyé sur YouTube. Donc ça va, je suis plutôt bien. J'ai lancé une machine aussi. Et du coup, ça fait que ma palette de couleurs et sous-vêtements est vide. Donc je suis contente. Donc là, je vais pouvoir l'étendre après. En plus, il y a du soleil. Donc aujourd'hui, ça va bien sécher. Et puis voilà, bon là j'ai mon rhume qui s'invite, mais c'est pas le moment. Donc, j'aime pas être malade, enfin j'aime pas être blessée non plus, mais ça j'ai pas le choix. Ça s'invite aussi tout seul. Là je me suis mis une petite émission sur TMC, 90 minutes enquête. Et là, c'est sur la police scientifique. J'aime bien regarder des émissions comme ça. Je suis plus limite émission que série. Ouais. Je suis plus émission. On apprend plein de trucs et tout, donc c'est pas mal. Donc, bon. Je regarde ça tranquillement et j'ai ma petite voisinette qui va arriver. Je vais la garder pendant deux petites heures, là. Je vais m'éclater avec. Elle est trop mignonne et tout. Donc, je pense aller m'attacher les cheveux par contre. Parce que ça, mes cheveux, j'en ai déjà pas beaucoup alors. Ah là là. Elle va jouer avec Neil tranquillement. Et puis voilà. Ah, là, là. Donc là, je coupe mes filets de dinde. C'est dinde ou poulet, je sais plus du tout, mais je crois que c'est du poulet. Mais j'ai un doute, normalement, le poulet c'est plus jaune. Enfin bon. Je les coupe en petits morceaux comme ça. Pas plus gros, comme ça, ça a le temps de. Ça chauffe tranquillement et tout, c'est pas trop épais et tout. Et généralement, après, la viande elle est fondante. Et je vais faire ça avec de la crème fraîche, mais pas de la 30%. Parce que je vous ai dit avec Kevin, on était au régime, malgré qu'hier soir on a mangé pizza. J'ai pas pris des grosses pizzas, j'ai pris des moyennes. Et franchement, c'était suffisant. J'en avais trop dans l'estomac. Donc je pense que la prochaine fois qu'on remangera ça, je prendrai pas. Je ne mangerai pas ma pizza entière. Donc voilà. Et on a commandé chez Pizza Flash. Et franchement, mais c'est une tuerie. C'est pas loin de la maison. Et du coup. Ouais, quand on va rester chez eux. J'en ai eu pour 25,80. Donc deux pizzas, une 5 fromages et une calzone. Bon, c'est sûr que c'est toujours plus cher que l'acheter surgelé, hein. Je suis d'accord. Mais il y a des fois quand on n'a vraiment pas le temps de cuisiner. Même les enfants, hier soir, ils ont mangé quoi? Frites, saucisses. C'était vache, c'était histoire d'être rapidos. Donc, mais bon, ils ont mangé et pour 20h20, ils étaient couchés. Alors qu'ils, d'habitude, ils vont se coucher pour 20h. Donc, j'étais pas trop en retard, ça va. Et ce matin, ils se sont réveillés avec le sourire, donc c'est qu'ils ont passé une bonne nuit quand même. Je suis contente, contente. Ouais, j'ai vraiment le nez pris, hein. J'aime pas ça. Donc, tant que je fais pas des crises d'asthme, c'est bon. Donc, voilà. Bon, je vais vous laisser là pour le moment. Je vais filmer vite fait. Tout à l'heure, parce que j'ai ma voisine qui va arriver. Et j'aimerais bien que mon repas soit en train de cuire. Hop, tac, tac, tac. Et hop. Enfin voilà. J'ai coupé un peu trop gros là, ça fait des pavés d'inde. Voilà, du coup ça fait comme ça. Voilà, je les ai vraiment coupés en petits morceaux. Rien de bien gros, d'habitude je fais plus gros, mais là c'est vraiment petit. Là il y a mes oignons que je vais tout faire revenir ensemble, puis je vous ferai voir le résultat juste après. Re-coucou tout le monde. Bon là il est
14h23, j'ai ma petite chipounette qui est partie. Et là, je la reverrai que jeudi. Oh, elle est trop mignonne. J'ai mon fils, moi, qui est au dodo. La sieste d'après-midi, mais il râle, comme d'hab. On ne change pas les bonnes habitudes de Neil. Donc, ce midi, nous avons mangé... ça. Alors, c'est du riz à la crème, allégé, avec blanc de poulet, champignons, oignons et du riz. Là, il y a une assiette qui est en train de chauffer pour Kevin, parce qu'il va arriver du boulot un peu en retard. Mais il va arriver, donc comme ça aura le temps un peu de refroidir. Donc voilà, et moi j'ai une balette de... enfin j'ai deux balettes de linge à plier, une machine à étendre et ma table à débarrasser pour ce soir, parce que la table on ne l'a pas utilisée la semaine dernière. Donc on a accumulé et il y avait la marquise de poser. Donc du coup bah, je m'en servais pas, donc c'était pas grave. Mais là ça y est, c'est bon. Ah, ça c'est des ciseaux, Kevin. Donc voilà, petite journée tranquille. Après, on va chercher les enfants, mais je pense qu'on va peut-être y aller à pied. Profiter un peu aussi du beau temps. C'est toujours agréable de... du profiter du temps qui fait beau. Et voilà, là je suis en train de voir qu'il y a des poubelles qui ont été refusées dans la résidence où j'habite. Donc, de Richebourg a fait des siennes apparemment, a fait ses premières victimes de changement de loi. Donc bon, donc moi c'est bon, ils sont partis parce que de toute façon on avait poubelle jaune, je ne mets pas de sac poubelle. Donc voilà, il fait beau en Normandie, regardez-moi ce temps. Je sais pas si vous allez voir quelque chose, mais il fait très beau et chaud. J'ai fermé mes stores ce matin quand je suis rentrée. J'ai juste laissé un peu une fenêtre entrouverte. Et franchement, ça fait du bien. Ça, c'est des cachets à moi. J'en ai encore. J'ai des cachets partout, moi. Je pourrais avoir une pharmacie avec tout ce qu'ils m'ont donné pour mon bras. Mais ça, c'est mon nouveau traitement pour mon bras et mon genou. Donc... donc voilà, bon là je vais débarrasser vite fait, je n'ai pas non plus un contenu de trucs. Et puis bah, je vous reprendrai tout à l'heure et on sera peut-être sur les devoirs de qui. Ouais, et là j'ai ma voisine, enfin mon amie voisine, ouais mon amie, ouais, je me suis fait une petite amie ici où j'habite, a vu Kili tout à l'heure et elle a dit tu pourras dire maman je me suis tachée, chemisier tout blanc. Donc je suis contente. Donc là, je vais prévoir une tournée de blanc tout à l'heure. Et puis voilà. Bon, je vous laisse parce que voilà le big boss. Donc il va me raconter sa journée de boulot. Bon, re-coucou tout le monde. Il est 20h20. Et là, je suis dans ma chambre puisque Kevin regarde un film d'action dans le salon. Donc je voudrais pas trop le déranger avec ma caméra. Bon, j'ai pas vlogué à la sortie d'école et tout. Parce que dès qu'on est rentré, j'ai ma maman qui m'a appelé. Elle voulait parler à ses petits-enfants. Donc bon, c'est fait. Et après, j'ai fait les devoirs à Kili, Jean-Ki, la douche et le repas. Donc là, il y a que Kili qui est debout encore. Enfin, debout, elle est couchée, mais elle regarde la télé dans son lit. Le mardi soir, elle a le droit de regarder la télé jusqu'à 22h30, 22h. Donc bon, comme elle a été sage hier et aujourd'hui, j'ai rien eu à lui dire, pas une seule fois quelque chose. Donc je suis très contente. Donc voilà, et les garçons, eux, sont au dodo. Mathis s'est fait un petit bibi, alors avant d'aller au dodo, il m'a demandé un pan. Alors la traduction que j'ai Mathis, c'est un pansement. Donc bon, je l'ai soigné et j'ai mis un pansement, il est parti au dodo. Et puis voilà, par contre là ce soir il fait très très chaud. Je sais pas comment ça se fait, mais c'est agaçant. Il fait lourd et tout, donc bon. C'est pas grave. Hein. Mais il va falloir que je prenne de l'eau pour cette nuit parce que je sens que je vais crever de soif. Bon là il y a Kevin qui regarde Punisher, un truc comme ça. Ouais, c'est ça.
c'est ça, il me semble. Bon, je sais plus. Moi, j'ai pris ma petite toilette et là, j'ai un bouton qui sort. Juste là. Je me suis démaquillée, je me suis lavé le visage avec tous mes petits produits et tout. Et lui, il s'est invité. Donc bon, j'ai hâte d'être à demain pour aller chercher mon téléphone. Parce que l'autre, il va rien savoir. Tout à l'heure, j'étais à l'école à Matisse et imaginalement, je regarde quelle heure il est. Et ça me disait juste appel d'urgence. Je pouvais plus rien faire. Donc, j'ai hâte d'être à demain et je pense que demain, il faudra qu'on aille faire des courses. Parce que là, mon placard commence à être... être vide, sévère. Et en plus, à la semaine prochaine, Kevin s'en va. C'est la semaine d'après, je crois. Je sais même plus. Calendrier, voilà, c'est ça que je cherchais. On est là. Ouais, Kevin s'en va la semaine prochaine. Donc, ouais. Il faut que... faut que j'aille faire des courses. Je sais pas quand est-ce qu'on va y aller. Je sais pas du tout. Enfin bon, là je suis vannée ce soir. Je vais mettre mes lunettes parce qu'en plus j'ai la vision de l'œil droit qui est floue. Donc je pense que je dois avoir un truc dedans. Et comme d'hab, ça doit être mes cotons. Donc je vais mettre mes gouttes et mes lunettes. Monter ce vlog et puis aller au dodo. Ce soir je regarde pas Good Doctor, je vais regarder un peu du des vidéos de YouTube et puis au dodo. Voilà, j'aimerais bien que les enfants dorment demain matin si on peut faire une petite grasse matinée. En plus j'ai pas la petite demain, donc si ça peut me permettre de dormir un peu, ça serait cool. J'ai mes cheveux qui frisent en dessous. Enfin, c'est pas grave. Donc voilà. Donc demain c'est ménage. Mais vraiment tranquille. Et demain après-midi on va chercher nos téléphones. Oui. En espérant que le problème réseau s'est réglé. Sinon bah, je sais pas quoi faire. Je ne sais pas, je ne sais pas. Enfin bref. Et il faut que je range mon armoire, c'est le bordel. Aussi. Donc bon. Donc voilà, voilà. Bon les amis, je vous fais des gros 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 bisous. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, likez quand même. Et dites-le moi en commentaire. Et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram les mini monstres et sur Facebook la famille Vanier. Et voilà. Je vous fais des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.